Nous sommes contents de rentrer la CAO pour nous capables de porter pour la première sortie de téléjournal pour la semaine. D'ores et déjà, on a souhaité tout le monde passer une bonne semaine sous télévision nationale d'Haïti. Rapidement, on a au principal point cap fait essentiel journal là pour matin. Pour nous faire connaître, samedi 8 septembre, marqué célébration 52e journée internationale alphabétisation. Dans l'occasion, secrétaire d'État pour l'alphabétisation réalisé vendredi passé, une journée porte l'ouvrir pour informer sur l'activité YAP mené. Secrétariat technique État général sectoriel national rencontré vendredi 7 septembre passé dans plusieurs personnalités dans le secteur minier dans le pays. Et puis, compagnie Natcom SA célébré 7e anniversaire vendredi 7 septembre. Responsable marketing et compagnie, leur tenu l'anneau présenté un bilan réalisation travail fait pendant la période si là. Et puis, à l'échelle internationale, on a bien pour nous aller dans le pays la France pour nous faire connaître 7 personnes sorties blessées en bas coup de couteau dans le pays la France. Parmi eux, 4 blessés graves d'après autorité qui a mené enquête sous dossier si là. Hôtel Zakla, c'est un Afghan. Parmi les victimes, il y a deux touristes anglais. C'est ensemble pour savoir qu'un pilote cap de fait essentiel. Pas rester branché, n'a pas tourné dans quelques secondes pour développement de savoir qu'un pilote. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti. N'a pas démarré avec information. Je viens d'annoncer dans un petit peu pour nous faire connaître un cadre d'activité pour marquer célébration 52e journée internationale alphabétisation 8 septembre. Bureau communication secrétaire d'État pour alphabétisation réalisé vendredi 7 septembre. Une journée porte l'ouvrir. Dans l'occasion, secrétaire d'État pour alphabétisation Émile Brutus fait connaître secrétaire d'État pour alphabétisation après continuer. Continuer à sensibiliser tout le monde sur le problème, le monde qui par contre a écrit. Dans ce sens, il plaide pour l'encréola, tout est un véritable instrument de communication et formation. Suivez précision Émile Brutus dans le micro Stéphanie Sherlock et Hervé Pierre. Journée internationale d'alphabétisation, ça a ligué un sens. Sens là, c'est pour sensibiliser, c'est pour conscientiser tout le monde dans tout pays sur un jeu. Alphabétisation, ça veut dire qui problème ça baille les monde pas qu'on lit, les monde pas qu'on écrit, mais qui avantage tout que ça baille les tout le monde qu'on lit, les tout le monde qu'on écrit, les tout le monde formé, l'autre monde passe l'école. Et année ça, UNESCO décrété journée ça, sous signe un slogan, un thème, pardon, c'est alphabétisation et développement. Compétence. L'idée UNESCO, hein, c'est comment l'offre alphabétisation pour le monde pour tout aider le développer des compétences professionnelles. C'est un bagage qui est extrêmement important par rapport à de grandes questions qui posent aujourd'hui, hein, tant que la mondialisation. La mondialisation fait que gagne plus compétitivité. Ça veut dire que nous ne pouvons pas croire que le mode artisan que nous avons là, par exemple, c'est eux-mêmes qui rentrent dans quelle logique de compétition, ou plutôt de compétitivité, en quel autre producteur qui a utilisé et qui a fait recherche, en quel autre producteur qui a et utilisé technologie et qui gagne, yo, je veux dire, qui devrait développer. Donc, nous ne sommes pas compétitifs par rapport à Mounsal. Donc, il faut que nous raisonnions, il faut que nous réfléchissions pour nous voir quel meilleur choix nous sommes capables de faire pour que, en alphabétisant, nous sommes capables de tout créer conditions pour développer compétences professionnelles. Nous avons besoin, à travers la journée, de sensibiliser tout le monde sur ce genre de problème, ça, les parlementaires, même les collègues du gouvernement, ministres. Il faut que nous posions des questions claires avec eux pour qu'ils comprennent. Parce que bon travail de législation qui doit être fait, bon travail de mise en place de structures, de mécanismes qui permettent que l'intégration créole là l'y fait. Et ça qui est grave, on va l'expliquer nous avec question d'alphabétisation. Bon, un problème qui vient dans l'alphabétisation, mais nous avons un système éducatif tout qui porte vini une masse de monde que nous parlons les illettrés. Parce que le système éducatif que nous avons, le système formel là, il y a plus de monde que l'éjecté. Pour une raison, pour une autre, il y a abandon, il y a décrochage, pour une raison, il y a une autre. Et les gens ne viennent pas continuer l'école encore. Donc tout ça, on peut apprendre.
ils oublient et puis ils viennent trouver dans la situation monde qui pas qu'on lit. C'est ça que fait. Combit Alpha, c'est notre stratégie ça que nous gagnons pour faire l'alphabétisation. Hein? Et objectif, c'est arriver à éradiquer l'analphabétisme dans le pays. Hein? Toujours dans le même dossier, si là, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, là, Pierre Josué Agenor Kadek, qui a participé à l'activité, a précisé avancé considérable qui fait enregistré dans le cadre du programme éducation pour tout le monde qui permet de plus passer 3000 timons sur 5000 déjà pris en route l'école. Dans le même objectif, ça, il renouvelé l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour accompagner le secrétaire d'État pour l'alphabétisation. On a des marches d'immédiat pour réduire la quantité de monde qui ne connaît pas qui crie dans le pays. On a invité à suivre le ministre de l'Éducation, Pierre Josué Agenor Kadek. Je dis à c'est avec un pile plaisir, un pile joie, un pile contentement, m'a participé à un gros événement ça, qui c'est Journée internationale alphabétisation. Alphabétisation, 75 ans après, Jean, secrétaire d'État, se dit là. Pour nous arriver à mettre un bout à ça, c'est nous d'abord nous faire tout ce qui est à l'école, en éducation pour tout le monde. Et je dis à nous avons deux gros objectifs qui préoccupent nous. C'est comment pour tout ce monde qui a l'âge pour l'école, trouver un dans l'école. Mais il faut faire attention à ça parce que ça fait environ 10 ans, dans le pays d'Haïti, il y a plus de 500 000 timoun qui ont l'âge pour l'école, qui partent dans l'école. Jodia, nous seulement à plus passé 300 000 et objectif là, c'est éliminer net parce que chaque fois, tout le monde à l'école bonnet, eh bien, alphabétisation pour plus devant, pas même capable, un problème pour nous. Nous gagnons tout, jodia dans le monde, en 2018, dans le monde que nous vivons là, il y a plus passé environ 300 millions de monde qui ont l'âge, ou bien, tout le monde qui ont l'âge pour l'école, qui parle l'école. Mais nous dit, pour nous arriver à résoudre toute bonne vraie question d'alphabétisation, il faut de bien monnaie, nous prenons tout le monde qui est là pour aller à l'école, pour aller à l'école. Nous mettons l'accent toujours dit en Haïti sur question formation adulte et surtout formation continue. Parce que je dis, nous rentrons à l'école là, nous tirons d'elle, j'entends m'entendre, c'est une éducation inclusive pour une nation solidaire. Ça veut dire, place tout le monde dans l'école. Objectif là, c'est pour nous vivre un jour, pour nous ne pas gagner aucun petit monde en âge pour aller à l'école qui va dans l'école, aucun grand monde tout qui a prêté pour ne pas qu'on lit, pour ne pas qu'on écrit, pour ne pas qu'on compte. Nous avons Céline ensemble, Titio, pour nous faire connaître le secrétariat technique et général sectoriel des Nations, rencontré vendredi 7 septembre avec plusieurs personnalités dans le secteur minier dans le pays. Chita Palessa, c'était l'occasion pour le directeur général du bureau Minak Energia, ingénieur Claude Préti, partager avec l'équipe secrétariat technique là, ensemble richesse qui existait en bas du pays et puis qui travaille bureau mine déjà réalisé pour permettre aux Haïtiens de connaître sa capacité. Secteur si là. Un reportage qui signe Rodney d'Orléans. C'est toujours dans l'idée pour arriver si un pacte gouvernabilité à État généraux sectoriel national continue à rencontrer avec divers secteurs dans la vie nationale là pour parler sous problème toute qualité pays d'Haïti a fait face. Vendredi 17 septembre, c'est l'occasion pour secrétariat technique et GSN de rencontrer avec plusieurs cadres dans le secteur minier. Pour parler sur ensemble ressources minières Haïti gagné et puis qui meilleure façon yo capable exploiter yo. La présentation bureau des mines de fait pour être capable sensibiliser membres comité pilotage et secrétariat technique d'organisation des États généraux sous grand enjeu développement minier puisque c'est une ressource que nous gagnons que nous capable servir comme levier pour capable impulser le développement économique pays. PIA n'est pas riche, j'ai tout pour nous qu'on a dit là, c'est-à-dire qu'on sent le fantasme par rapport à la richesse minière de ce pays et qui remonte probablement au temps de la colonisation, parce que, oubliez que c'était un argument que Christophe Colomb a utilisé pour être capable de convaincre puissance espagnole pour être investi là, pour être capable de coloniser il là, mais en même temps, lui montre nous tout que nous, pagains peut-être, on pays de cocagne. En termes de richesses minières, mais néanmoins, gain des richesses avérées. Nous avons des précisions sur leur localisation précise, notamment dans Santa Cruz, la province nord,
1 qui va de la presqu'île du nord-ouest et qui traverse le département du nord et qui va jusqu'à la République dominicaine et qui correspond en fait à sa relais en province qui, au-delà de Haïti, correspond également à la province orientale de Cuba et à la Cordillère centrale en République dominicaine. Directeur général Bureau Mine et Energia, ingénieur Claude Prepti, qui était présent à l'occasion Chita Palessa, a donné quelques explications sur le secteur minier. Pendant le fait qu'on est, Bureau Mine et Energia déjà réalisé un cadre potentiel sur la question mine et énergie dans le pays. D'après le directeur, chaque Haïtien supposé gagner avant longtemps 4 ça, une façon pour permettre qu'on ait qui ça qui gagne comme richesse en bas pays d'Haïti. L'on parle du secteur minier en Haïti. Son sujet qui divise les gens. Il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne pas d'accord. Mais je suis certain que l'on parle du secteur minier, on ne pas compte exactement de qui ça qu'il a parlé. Parfois, il ajoute du plus là-dedans. Donc, occasion pour nous dire, c'était faire le point sur le potentiel minier qui existait à partir du travail que nous réalisons dans le bureau des mines d'énergie. Côté que grand carte qui sortit, c'est carte du potentiel minier énergétique d'Haïti, avec une notice explicative que vous pouvez distribuer par tout Haïtien, que chaque Haïtien te doit gagner, que chaque l'école te doit gagner, pour qu'on ait exactement en bas de pays d'Haïti, qui ça que nous gagnons. Maintenant, fin dit ça nous gagne, fin dit tout, qui ça nous va le faire avec lui. Et je pense qu'il faut un consensus autour de questions ça, pour nous connaître. Potentiel ça, quel que soit Jean Lia, ça nous doit faire avec. Qui est capable de servir à développement pays. Et sans un dialogue national de tout le monde autour de questions ça, pour nous définir une politique qui a dit, maintenant, quelle direction que nous voulons aller, une politique qui a dit que l'environnement pays soit exploité, mais qui protection que nous devons avoir l'environnement, une politique sociale. Revenus qui génèrent de l'exploitation, qui gèrent localité dans la zone, qui sont capables de bénéficier de revenus sérieux pour faire développement local. Causerie sous question mine et énergie dans le pays d'Haïti, Pape Campela. Dans la date 9 novembre 2018, là, EGSN, toujours en tête collée avec BME, a bien pour réaliser un forum sous question ça. Au niveau parlement haïtien, rapport sous commission spéciale Sénat République là qui a une responsabilité pour vérifier dossier membre cabinet ministériel gouvernement Jean-Henri Séan paré d'après deux membres commission sénateur Dieudonné Lhumaitien et sénateur Jean-Renel Sénatus. Commission a révélé qu'il y a un retard dans la façon que quelques membres gouvernement payent impôts. Dans ce sens, la commission a demandé à la direction générale impôts pour les bailler un rapport détaillé sur la façon ministère au pays impôts. Nous avons invité ça. Nous prenons pièce que la Constitution exige nous demander, nous prenons, mais nous allons auprès de l'institution pour nous vérifier. Première étape de travail, c'était avec le Premier ministre nommé, et deuxième étape de travail, c'est avec le ministre et le secrétaire d'État qui sorti dans le dernier arrêté qui sont sorti là. Et c'est pour nous, et nous-mêmes, dossier nous là, nous faisons tout le travail nous, au niveau des archives nationales. Côté que nous allons vérifier, je nous dis, hein, véracité information que nous avons nous à travers extrait d'archives différents ministres et nommés. OK? Et en même temps, hier, depuis aux alentours de 3h30 de l'après-midi, commission hein, avec assistance technique Sénat, eh bien, nous sommes allés dans la direction générale des impôts pour nous être capables de le faire. Et vérification. Et c'est comme ça, chaque ministre sorti avec une feuille de rapport de paiement d'impôts. Donc, nous constatons que c'est une légèreté, puisque nous connaissons un système, de un système déclaratif. C'est dit, me dit combien me fait. C'est dit, me dit, et ça me gagne. Et nous avons remarqué que presque tout ministre, presque, j'ai bien dit presque, a gagné ça aurait le certificat qui mentionnait, m'a parlé de certificat de déclaration définitive d'impôt, qui mentionnait crédit d'impôt. C'est comme si c'est des gens qui t'avaient toujours payé en plus de ça que vous devez payer l'État, qui voulait dire l'État doit. Et là, nous entrons en profondeur.
nous voyons que tu as une légèreté dans la déclaration. Et comme la loi admet ça, et mesure de redressement, nous souhaitons que yo assez intelligent pour yo rassurer yo que yo al faire redressement qui pourra le permettre d'une part l'État capable rentrer plus fonds et de l'autre yo capable jouir d'une crédibilité par rapport à public, par rapport à société, hein, par rapport à population hein, que yo pral bay service ça. M'a répondu dans nos commissions à un peu nous qui a parlé sur la loi qui dit que Sénat a été en mission que le pagain. Question pour analyser pièce ministre. Nous avons fait travailler ça sous base article 172.1 Constitution qui dit pour être ministre, il faut. Il faut, à veut dire, gagner de obligations que ou même pour gagner. Lorsque vous avez nommé ministre en qualité d'exécutif pour faire une étude a priori. Mais nous-mêmes qui avons recevoir le ministre là dans le Sénat, nous devons faire une étude a posteriori pour nous est-ce que le ministre Sayo, pour nous meilleur, il répond avec normes, sa constitution et la loi pays dit. Problème ça, c'est fini, parce que nous avons travaillé dans un cas en bas, chapeau, constitution. Nous terminons Céline ensemble Titio pour nous faire connaître compagnie notre commerce à célébrer 7e anniversaire le vendredi 7 septembre 2018 passé à responsable marketing compagnie Sila le tourneau Lano présenté un bilan réalisation pendant période Sila les promettre compagnie à continuer travail pour améliorer qualité service et pour population reportage Marie du Donneur Toulou. Ça fait déjà 7 l'année depuis compagnie Natcom a bail population service dans le domaine télécommunication dans le pays d'Haïti. Avec 2,5 millions abonnés pour un pourcentage 54% sous marché internet là, et puis 28% sous marché mobile là, responsable compagnie téléphonie mobile ça fait qu'on est à travail pour renforcer qualité service et à offrir population. Chef marketing à communication Natcom Lan, le tourneau Lano qui t'a présenté ensemble réalisation pendant ces temps-là, fait qu'on est Natcom pas travail pour satisfaire clientèle là seulement, mais au poté assistance surtout dans le secteur éducatif là. Normalement, Natcom li bay service li, premièrement nous connaît dans mobile, par exemple téléphone, côté que nous vend SIM, nous vend téléphone, mais nous avons gardé tout. L'autre clientèle qui est important pour nous, c'est Internet. Là. Et pour garder, nous avons deux types d'Internet. Nous avons Internet qui est IP Line, qui est Internet pour entreprise. Et nous avons Internet qui est FTTH, qui est dédié pour maison privée. C'est-à-dire, les gens qui arrivent un bon Internet, Internet à haut débit, pour qu'on prendre Internet FTTH. Nous profitons que nous faisons, par exemple, depuis avant que nous avons commencé. Avec compagnie, nous avons gagné un processus pour être capable de travailler avec l'école. Parce que nous avons une éducation à pile. Côté, nous gardons environ 1309 l'école publique qui ont bénéficié de notre côté Internet gratuit. Responsable a expliqué plus loin, améliorer qualité service Internet, là, augmenter bande passante en dans pays an, et puis répondre à besoin client, c'est quelque parmi objectifs pour l'année qui vient. Après 7 ans, Natcom lui-même a toujours gagné comme perspective pour être capable de travailler sur le réseau. Parce que nous connaissons, de jour en jour, le réseau a augmenté, le client a augmenté sur le réseau. Et ça nous fait, par exemple, nous commençons à travailler dans le réseau pour nous capables et bailler les clients ont plus bon service en termes de signal. Et ensuite, Natcom qui, en tant qu'une grosse compagnie dans les affaires Internet, nous choisissons pour nous capables d'augmenter bonne passante nous pour clients non seulement pour clients mobiles qui utilisent internet et ensuite pour clients qui utilisent internet et par fibre optique parce que nous connaissons clientèle salienne la grandit de jour en jour parce que chaque jour on utilise internet. Pour marquer 7e anniversaire compagnie Natcom Lan, responsable yo invité population vin fêter avec yo dans un festival y a organisé sous son maslan samedi 22 septembre 2018 là.
Responsable ministère Travaux publics, Transport et Communication, a inauguré une nouvelle direction départementale Ouest dans la commune Tabor vendredi 7 septembre passé. Nouveau local ça permet à MTPTC de fournir population plus services. Jean Slogan MTPTC a dit c'est plus route d'après directeur départemental Ouest, Andy Jean-Louis, avec directeur général MTPTC, Max-André Vilma. N'a pas envie de suivre. Dans un pays sous-développé, et comme vous le savez, en tant qu'élu éclairé, l'un des moyens de développement est la route. TPTC, nous disons souvent, route c'est nous. Vos soutiens dans le budget national peuvent nous aider à construire et à réaliser les 100 km de route demandés par notre président, son Excellence, M. Jovenel Moïse. Mesdames, Messieurs les maires, nos relations par rapport à nos interventions dans vos différentes communes jusqu'ici sont très cordiales. Et vos supports sur tous les points sont très bénéfiques. Nous voulons dorénavant moderniser nos interventions en incluant vos personnels de génie municipal dans nos différents travaux. Ce pour les permettre d'apprendre à gérer et à mieux entretenir les biens publics, chaussées, ouvrages hydrauliques, etc. Désormais, la DDO est au service de la collectivité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ensemble, nous pouvons vaincre toutes sortes de critiques quant à l'assainissement de notre département afin de rendre le MTPTC plus fort que jamais. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications est heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'inauguration du nouveau local de la direction départementale de l'Ouest. Le ministère reste persuadé que ce nouvel espace mis à la disposition de la DDO en améliorant grandement la qualité de l'environnement de travail permettra à cette direction de se mettre encore plus au service du département de l'Ouest. Nous exhortons donc le directeur départemental, l'ingénieur Andy Jean-Louis et tous ses collaborateurs à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes pour le bien-être de la collectivité. Toujours dans le même dossier, si là, sous bon pal, magistrat commune Tabala Nice Simon, fait qu'on est direction départementale ça dans la commune, c'est une opportunité liée pour yo, li pral permettre de renforcer les relations avec les dirigeants MTPTCO d'après magistrat commune Tabala Nice Simon. Afin de te suivre. Relation que nous gagnons avec travaux publics, li pas nouvelle, principalement ensemble avec. Dédé Yonon, qui c'est ingénieur Andy, nous avons gagné de très bonnes relations bien avant que l'il était situé dans notre commune, côté l'il était avant, dans la cité militaire. Et relations, ça l'a continué. Et nous pas de jambes gagné aucun problème. Il était toujours là, disponible, n'importe là que nous gagnons un problème au niveau de tabac. Il toujours fait tout ça capable de venir pour venir au secours de tabac. Là, lui-même, il est tout près de nous. Et encore mieux, relation que nous avons gagné, la vienne deux fois en plus et nous capables plus, nous capables collaborer beaucoup plus. Nous venons pour nous aller dans l'actualité internationale. L'argent qui nous a annoncé dans son petit tour, nous allons aller avant tout dans le pays de la France. Pour une fois qu'on a 7 mounes sont blessés en bas de couteau dans le pays de la France, parmi eux 4 blessés graves. D'après l'autorité qui a mené enquête sous dossier, c'est la responsable Zaxila, c'est un Afghan. Permis de suivre plus de détails avec Euronews. Agression à l'arme blanche dans le nord de Paris. 7 personnes ont été blessées, dont 4 grièvement. L'assaillant a été interpellé par une équipe de la brigade anticriminalité, la BAC. Selon une source proche de l'enquête, l'homme est a priori de nationalité afghane. Il était armé d'une barre de fer et d'un couteau. Il s'en est d'abord pris à plusieurs personnes au hasard près d'un cinéma le long du canal de l'Ourcq. Des joueurs de pétanque qui se trouvaient là ont tenté de l'arrêter en lui jetant des boules, le blessant à la tête, mais ça ne l'a pas arrêté. Il est parti en courant et s'en est pris peu après à 2 touristes anglais. Les faits se sont déroulés peu avant 23h dans le 19e arrondissement. Rien ne permet à ce stade de retenir le caractère terroriste de ces agressions, toujours selon une source proche de l'enquête. Mais ces agressions rappellent d'autres attaques à l'arme blanche commises ces derniers mois en France, la piste terroriste ayant été écartée dans la plupart des cas. Toujours dans l'actualité internationale, la suite à un mouvement hashtag MeToo qui était lancé dans le pays des États-Unis qui visait dénoncer ensemble les actes sexuels dans le pays à côté de divers gros chabrak déjà trouvés dans une situation difficile. Pour qu'on y a, c'est PDG CBS là qui perdit poste après dénonciation 6 femmes fait comme quoi l'État abusé sexuellement.
Plus de détails, c'est à la prochaine édition Téléjournal La sous Télévision Nationale d'Haïti. Et c'est là tout journal à Kaba pour matin, mais juste avant nous aller, on a rappelé ensemble point qui était fait essentiel pour matin, pour une fois qu'on est samedi 8 septembre, là, marqué célébration 52e journée internationale d'alphabétisation. Dans l'occasion, secrétaire d'État pour l'alphabétisation réalisé vendredi passé, nous je n'ai pas l'ouvrir pour informer sur cette activité la mener. Secrétariat technique état généraux sectoriel Nation 1 rencontré vendredi 7 septembre passé plusieurs personnalités dans le secteur minier dans le pays d'Haïti. Et puis compagnie Natcom SA célébré 7e anniversaire lui toujours vendredi 7 septembre là responsable marketing compagnie si là le tourneau là nous présenter un bilan réalisation offert pendant période si là. Et puis à l'échelle internationale nous allons dans le pays la France pour nous faire connaître 7 monde sorti blessé dans un coup de couteau dans le pays la France parmi 4 blessés graves d'après autorité qui a mené enquête sur dossier si là hôtel Zakla c'est un afghan parmi eux gain 2 touristes anglais qui victime. Voilà, c'était ensemble point ça qui était fait essentiel le journal là pour jeudi lundi 10 septembre 2018 là. N'a pas souhaité tout le monde passer une très bonne semaine sur télévision nationale d'Haïti mais surtout un très bon lundi. Restez branchés, n'a pas cassé rendez-vous pour demain matin pour l'autre sortie télé journal là.